Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, et bien pour vous donner une petite explication de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un très très joli oracle. Alors cet oracle, c'est un outil hein, pour développer nos propres capacités. Et il y a plusieurs thèmes dans cet oracle. Il y a notre âme. Dans notre quotidien, n'est-ce pas? On peut être tellement sollicité que l'on n'est plus à l'écoute de soi. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de nous déconnecter de nous. Et nous pouvons faire ou vivre des choses qui n'ont plus de sens. Nous ne sommes plus à l'écoute de notre âme. Nous n'écoutons plus notre âme. Et avec cet oracle, eh bien, nous allons avoir le soutien pour nous connecter avec nous-mêmes. Nous avons les guides aussi. Nous avons nos guides. Et nos guides sont là pour nous épauler et nous soutenir, et surtout pour nous protéger. En tous les cas, ils ne sont pas là pour être nos serviteurs, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas là non plus pour nous apporter tout ce dont nous avons envie, car nous avons encore le libre arbitre. Et par moment, eh bien, nos envies peuvent être différentes de nos besoins. Nous pouvons aussi avoir l'impression de ne pas voir ou de ne pas comprendre leurs signes. Et avec cet oracle, eh bien, nous pourrons nous connecter avec nos guides. Avec cet oracle, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas? Et vous allez avoir une réponse. Alors, il y a aussi la troisième partie, sont les entités, hein, qu'on appelle, les entités, elles peuvent être directement, eh bien, attachées à nous, que ce soit en lien avec cette vie ici, que nous avons ici sur Terre, ou alors une vie précédente, elles peuvent être attachées aussi à un lieu, à un objet ou à une autre personne. Elle peut aussi être complètement étrangère. Et ces âmes ont parfois besoin de transmettre un message. Donc, ces entités ont besoin de nous transmettre un message. On peut aussi avoir une information. Avec cet oracle, nous pouvons demander et nous pouvons aussi transmettre. En tous les cas, avec cet oracle, nous avons le soutien pour nous connecter avec ces âmes. Eh bien voilà, petite explication, n'est-ce pas, de l'oracle de la voix des âmes. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver eh bien, pour cette nouvelle semaine du mois de mai. Nous sommes lundi 15 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un très joli week-end. Alors, on va continuer dans l'oracle de la voix des âmes. Donc, cet oracle, eh bien, vous donne un message de votre âme, de vos guides ou de votre guide et de l'entité. Et on terminera par la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Encore une fois, tout passe par la pensée, n'est-ce pas? Ce que vous pensez,
vous le vivez. Ce que vous pensez, eh bien, vous émanez de l'extérieur ce qui est à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai pigé regret. Alors, soyez bien à l'aise, n'est-ce pas? Eh bien, pour prendre ce qui résonne avec ces messages d'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde parce que nous ne sommes pas toutes et tous le même. Nous ne sommes pas toutes et tous nés le même jour, la même année, la même heure. Nous avons toutes et tous différentes vies ici terrestres. Donc aujourd'hui, regret. Pour ceux que ça va parler, eh bien, ton âme vient te dire qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans une énergie de regret. Est-ce que tu as des regrets sur des décisions que tu as prises, de ce que tu vis? Peut-être que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et que cela t'apporte une très, très, très grande tristesse. Peut-être que tu regrettes un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Je voudrais que tu te rappelles que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Et ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Ça peut aussi vouloir dire que ça te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra, du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure, et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Alors prends le temps. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire, car cela va te permettre de créer un nouvel espace et bien des actions nouvelles. Message de tes guides, une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein ou sereine. Tu doutes de tout. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige, n'est-ce pas, dans ta vie extérieure. Tu as peut-être l'impression d'être en attente de quelque chose d'important, sans forcément comprendre, eh bien, de quoi il s'agit. Nous, tes guides, nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois et peut-être, pour certains d'entre vous, depuis des années. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois
que nous ne sommes pas là. Et vu que tu pars de ce principe, eh bien, à ce moment-là, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. Sache que si tu ne nous sollicites pas, nous ne viendrons pas à toi. C'est à toi de venir vers nous, avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Sache-le. Et en plus, cela va te guider vers la libération de cette dualité, et bien pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. L'entité te dit: j'ai eu beaucoup de regrets, même si maintenant je me sens libérée. Il y a beaucoup de choses que je me suis refusée à faire pour différentes raisons. J'avais très souvent peur de me montrer et de faire les mauvais choix. Je m'étais enfermée dans des certitudes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ces regrets avaient créé un poids intérieur. Et je ne souhaite pas du tout que tu fasses les mêmes choix que moi. Ose être la belle personne que tu souhaites être. Il y a des choses que j'ai laissées en attente avant mon départ. Et je pensais que je pourrais les faire plus tard. Je pensais avoir davantage de temps. Mais ce n'était pas le cas. Et avec le recul, c'est parfait ainsi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une action que j'aurais voulu faire. Je t'envoie de très nombreux signes. Et tu sais au fond de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Tu le sais. Accomplis cette chose pour moi. Cela va me permettre d'être dans une libération totale. Et cela va nous aider à communiquer ensemble d'une nouvelle façon. J'ai confiance en toi. Très beau message, n'est-ce pas, pour commencer la semaine. Je termine avec la guérison des 5 blessures et aujourd'hui j'ai pigé une carte d'humiliation. Lorsqu'en public j'ai honte de moi, sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.